un faux interview tout à l'heure en cinéma et maintenant vous faites un vrai. Quel sentiment ? La réalité, le faux, le vrai ? Voilà, c'était pas le faux, c'était une autre interview. Voilà. Voilà. Oui, non, c'est une. On essaie de contrôler ce qu'on fait. Parce qu'on remarque qu'il y a des clichés un peu de partout et donc on commence à faire un teaser à notre façon, une interview à notre façon. Et pourquoi pas justement de rencontrer les journalistes, de rencontrer les gens qui veulent nous rencontrer. Ce qui est génial de vous, c'est que vous vouliez nous rencontrer. Donc ça, c'est parfait. Merci. C'est important pour vous, cette programmation sur la France, cette tournée ? Ben, jouer en live, c'est important. C'est important plus encore aujourd'hui. Moi, je n'ai pas peur de téléchargements, je n'ai pas peur de la nouveauté, de la vie, comment elle vient, comment elle est, parce qu'il ne faut pas avoir peur des ordinateurs, de la technologie, de tout ça. J'ai juste peur que le concert, il perd son intérêt, que le cinéma perd son intérêt, qu'une comédie musicale perd son intérêt, un musical, ou alors un tableau perd son intérêt. En fait, j'ai peur que les gens ne soient plus intéressés à l'art. Et ça sera provoqué seulement par des clichés. Donc voilà. Si par contre tous les artistes commencent à s'exprimer, c'est différent. Nous, ce qu'on fait, on le fait par instinct. Par instinct et par. On va essayer toujours de mettre un certain côté professionnel. Tous les gens que vous voyez à côté de moi, en fait, c'est des gens qui ont des talents. Qui ont des talents. Et qui l'ont de façon spéciale, ces talents. Donc voilà. On s'est rencontrés parfois dans des établissements où on faisait du spectacle, parfois dans la rue, parfois dans des discothèques, parfois dans des restaurants. Et c'est bien quand les gens se réunissent pour les justes raisons et au juste moment. Voilà. Quel est le message que vous voulez faire passer au travers du spectacle ? Ben, le spectacle, c'est déjà le monde du spectacle, c'est déjà un message en lui-même. Donc voilà. Le message de ce spectacle, c'est pas vraiment un message parce que c'est pas une histoire en fait. C'est juste un concert, comme tous les autres artistes font des concerts. Sauf que moi, le concert tel qu'il est, aujourd'hui, le concept du concert en tant que spectacle comme ça, ça m'a jamais plu, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est pas qu'on fait un concert avec des acrobates ou avec des chevaux pour rien. Il y a vraiment une raison. C'est parce qu'on ne savait pas créer dans la limite de ce qu'ils font les autres. Donc on avait besoin absolument de s'élargir, de travailler à plusieurs, de travailler pour donner des messages différents. Mais c'est, en fait, on fait du rock spirituel. Donc le message est souvent spirituel, est souvent la foi, et pas les religions, juste la foi. Voilà. Est-ce que vous avez abordé cette tournée différemment de celle que vous avez faite pour la Russie ? Oui, parce que c'est deux spectacles différents. Chaque spectacle est différent. Donc la Russie, c'était un concert symphonique. On ira encore en Russie, j'espère. Donc normalement, on a programmé d'aller en Russie. C'est vrai, tu viendras en Russie. Okay. Je vous suis partout. Okay. Et voilà. Et donc oui, c'est parce que oui, ce sera totalement différent parce que on sera en chapiteau. Donc ce sera très différent. Donc la Russie nous attend cette fois différemment. Voilà. D'accord. Et quelles sont les villes pour l'instant où vous allez aller ? Ok, donc pour le moment on fait le 6 et le 7 mars Angoulême. D'accord. Mais on a un concept particulier. Comme ça, comme la légende des artistes nomades. c'est un charme comme ça qui vient du cirque en fait, qui vient de ce que l'artiste était, même au départ. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit les dates. Parce qu'on a un chapiteau, on peut se déplacer partout. On n'a pas des contraintes dues aux salles de spectacle. Voilà. Donc, on va choisir une ville, on va la viser dans notre imagination. On va se rendre et on va dévoiler aux fans au dernier moment où on va aller. Quelqu'un me dirait, oui, mais tu n'as pas peur de ne pas vendre des tickets? Non. Parce que nous, le spectacle, de toute façon, on le fait quand même. Donc, voilà. Quel est votre futur? Comment voyez-vous votre futur? Mon futur, ce sera de vivre de ça, donc de spectacle. Musique. Je serai un mec bien, ça c'est sûr, un vieux bien. Ah, je te jure. Un vieux. Et je serai certainement entouré par des gens qui t'aiment. Qui ne, ouais, peut-être. Qui ne parlent pas spécialement d'argent ou de business. Qu'est-ce qu'ils voudraient les gens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je serai entouré certainement de gens
qui créent. D'ailleurs, on a des amis de 80 ans. Je l'ai dit tout à l'heure. On a des amis de 80 ans aussi, on a des amis de 17 ans, on a des amis qui créent, qui sont des grands artistes. Que... C'est comme ça. C'est ce que je serais. Je serais un artiste, ça c'est sûr. Mais vous ne l'êtes pas aujourd'hui ? Oui, je le suis. Je le suis. Mais les artistes sont toujours des artistes tant qu'on leur permet. Voilà, donc voilà. Mais moi, je l'ai dit au départ, quand j'ai commencé le Mozart Opéra Rock, j'ai dit, c'est bizarre parce que je ne savais pas ce que j'allais dire, mais parfois on dit des choses que c'est la vérité, mais on les dit avant que ça se vérifie. J'ai dit, moi, je ferai mon métier, que ce soit sur un chapiteau ou alors dans une salle de spectacle, je le ferai. Voilà. Mais j'ai dit chapiteau, c'est ça qui est incroyable. J'ai dit dans plusieurs interviews. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite du succès en tout cas. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup.